Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur Assetto Corsa, donc Assetto Corsa premier du nom, comme vous avez vu sur la vignette. Ça va être un petit avant-goût du pack et des packs qui vont arriver sur Assetto Corsa Competition, parce qu'on parle effectivement du GT4 au niveau des catégories de voitures et d'un pack British qui donnera lieu à peut-être trois circuits. Donc moi ce que je vais vous faire, je vais vous faire une petite course en GT4 avec le circuit de Donington Park, version que j'ai trouvée de 2018, donc sur Assetto. Ensuite, au niveau des véhicules, ce sera le mode GT4 que j'ai trouvé également sur la page Facebook de Guerilla Mode. Alors, bizarrement, il faut tenter de rejoindre la page Facebook, mais ça fait déjà quelques jours que j'essaye, je n'y arrive plus. Alors, est-ce que c'est un choix de leur part, un problème technique? Je ne sais pas. Je vais attendre avant de vous mettre le pack du mode pour voir si c'est si c'est eux qui ont décidé de plus le mettre. Bref, je vais vous faire le détail un petit peu de tout ça. On va commencer tout de suite avec le premier véhicule, je précise, qui ne fait pas partie de ce pack. Moi, je l'ai inclus pour faire partie d'une petite course, donc de plusieurs modèles GT4. Il s'agit de l'Alpine A110 de ACFL. Donc comme vous pouvez le voir, j'avais déjà fait une, je crois, une vidéo dessus, je ne me rappelle plus. Je la trouve vraiment magnifique. On va continuer avec l'Audi R8 GT4, donc celle-ci qui fait vraiment partie du pack Guerilla Mode. Magnifique également. On continue avec l'Aston Martin Vantage. Ensuite la BMW M4, donc c'est ce modèle que j'ai choisi pour la course. La Ford Mustang, peut-être celle que je trouve la moins bien modélisé. La KTM X-Bow, très originale. La McLaren 570S. La Mercedes AMG. Porsche GT4 2019. Donc c'est Porsche Cayman. Il y a deux modèles, celle-ci également. La 718, Cayman 718 GT4. La Toyota Supra. Et je crois qu'on a fini, on a fait le tour. Voilà, donc on va partir, je crois, sur 10 minutes de course, avec forcément, comme d'habitude, le mode sol, le light shader patch, comme vous connaissez pour ceux qui ont l'habitude de tourner sur Assetto. Alors voilà, c'était juste un petit clin d'œil, notamment pour vous montrer le travail des développeurs de Guerilla Mode, mais aussi pour vous montrer ce qui va arriver normalement dans Assetto, Corsa Competition. Voilà, je vous dis à une prochaine. Salut!